and middle fielder of any sign given short. Le gardien, le numéro 1, Chris. Donc c'est la cinquième passe. Gardé, et c'est un gros qui a touché ça. Il y aura beaucoup de points aujourd'hui, Pierre. Alors, effectivement, voilà. Touché Lennoxville, c'est Kevin Scarf qui a réussi à toucher dans un jeu de 75 verges, Pierre. Passe de 75 verges de Chris Flynn à Kevin Scarf et c'est le toucher de Lennoxville qui crée l'égalité immédiatement. Ça n'aura pas pris trop de temps à répliquer. Alors, la protection cette fois qui est meilleure, Flynn a le temps. Aperçoit Scarf, la passe. Et on voit Scarf qui est bien démarqué, saisit le ballon et filera, il va galoper jusque dans la zone des buts. Alors l'égalité est créée 6 à 6, c'est très tôt dans le premier quart. Alors Pierre, qu'est-ce que tu retiens de cette séquence? Ça n'a pas pris trop de temps. Ben, c'est que Flynn avait mal paru dans sa première poussée à l'attaque, même ne paraissait pas tellement brillant, mais il a su récupérer. Il y a aussi eu le jeu de Scarf. Finalement, oui, la défensive, c'est Ascona qui marque le toucher. Flynn, encore, la passe. Capté. Encore une fois. Ça, c'est un très long gain. Au 52 en territoire du Vanier. C'est un gain de 17 verges. Passe complétée de Flynn à Kevin Scarf. On montre le jeu. La pression était forte. Vous allez voir les joueurs des Cheetahs arriver sur Flynn. Mais il a le temps de décocher sa passe en sautant. Et Scarf qui effectue un bel attrapé là-dessus. Avec un gain de 17 verges, ça fait déjà 92 verges de gain par la passe du côté de Scarf seulement. On voit l'écran, 85. Excellent joueur. Deuxième essai de la ligne de 16. On va lui pardonner. Alors Flynn sur ce deuxième jeu. La passe. Scarf touché. Scarf son deuxième touché du match. Chris Flynn qui complète une autre phase de toucher. On va continuer d'additionner dans la colonne de M. Flynn pour les gains aériens. Ça devient assez intéressant. On est toujours au premier quart. Bon, on dit souvent chez un joueur de football, quand vous avez 100 verges de gains par match, vous devez être satisfait. Alors, on remonte le jeu. Chris Flynn recule. Il a du temps. Il décoche sa passe toujours là, juste avant d'être frappé. Et finalement, Scarf saisit dans la zone des buts. Déjà, il se pointe dans une adresse profondément. Flynn. Cherche un receveur. C'est notre premier jeu qu'on va chercher. Les yeux se sont rapprochés vers la gauche. Là, la passe de Flynn, la pression qui est encore très très forte. En plusieurs occasions, Flynn doit sauter pour compléter ses passes. Jusqu'au moment où il a réussi cette superbe passe qui devait devenir une passe de toucher, un gain de 75 verges. Oui, effectivement, la première passe finalement que Flynn devait compléter, ça a été très long. C'est un jeu de 75 verges à Kevin Scarf. On va le voir, il s'était dégagé là, des deux défenseurs, spécialement de Eli Ascona, et il a filé jusque dans la zone des buts. Un touché là, de Kevin Scarf, qui en a d'ailleurs marqué deux dans cette première demi, et qui a été blessé à un moment donné, Pierre, je ne sais pas si on l'a revu, on ne le rappelle pas très pas bien. Pas en fin de deuxième demi, effectivement, ça après être tombé au sol, sur le genou, il y a eu du mal donc à revenir dans l'action. Mais qui a permis d'avoir un pointage aussi serré. Oui, effectivement. Jean Laliberté, merci beaucoup pour cette saison. J'espère que cette saison donc du Collégial 3A vous a tous plu. Final pointage avec ce bol d'or, 48-42 pour les Cougars de Lennoxville, champion donc du bol d'or 86.